Bah, ça commence par une galette au boulot, puis celui qui a la fève doit ramener la galette le lendemain. Et en fait, c'est comme ça jusqu'à l'overdose, quoi. Alors au début, on est un peu écœuré par le goût de la frangipane, mais c'est convivial, il y a du monde autour. Puis en fait, c'est comme les antibiotiques, au fur et à mesure, on devient de plus en plus résistant. Matin, t'arrives, petit-déj, galette. À midi, galette. Goûter, galette. Et puis le soir, galette aussi, ouais. Pour peu que tu reprennes une part, tu fais vite des journées, tu te fais vite une galette sur la journée, ouais, c'est clair. Voilà, il est midi 12. Midi 12, je tremble. Là, j'ai envie de me faire une galette, ouais. Je suis pas bien, enfin, si je commence une galette, par définition c'est convivial. Si je commence à me faire une galette tout seul, là c'est le début de la fin. En fait, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout un cas isolé. Et on était des millions dans mon cas à travers le monde. Et c'est là que j'ai eu la petite idée de génie. J'ai créé l'application Click and Galette. Donc le principe, c'est qu'on se réunit tous en visio, chacun chez soi, autour d'une bonne galette. Et en fait, on coupe sur cette galette autant de parts qu'il y a de participants à la conférence. Et de là, en fait, à chaque tour, on mange une part. Et si lors de mon tour, j'ai la fève, je peux choisir un roi ou une reine. Et comme pour une vraie galette, en fait, le plus jeune doit aller sous la table et distribuer les parts. Selon ce qu'il voit, selon la part qu'on lui présente en visio. Donc, Malo, toi, tu prends la deuxième part sur ta gauche. Non, l'autre gauche. Ouais, c'est là. Huguette, tu vas prendre la troisième part. La troisième part! Allô? Ouais. Ouais, vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Putain, mais j'ai envie de galette, moi! Putain, je vais la bouffer! Suis très honoré d'avoir eu la fève sur ce premier tour. Du coup, là, je regarde. Ouais. Elisa, veux-tu être ma reine? Non mais tu t'es vu tête de cul? Bon, après, ça peut pas marcher à tous les coups. On entend beaucoup parler des étudiants, on entend beaucoup parler du monde de la culture. Mais galettomane, personne n'en parle, quoi. On est les oubliés. Voilà. Alors, moi, je veux bien, hein, Macron, il est au petit four toute la journée, donc lui, les galettes, il s'en fout, hein. Mais clairement, là, il va falloir faire quelque chose. Va falloir faire quelque chose, parce que sinon, on va être tous dans la rue. Là, ça fait une semaine que l'épiphanie est passée, pas une seule mesure. Donc voilà, on va encore être la France en retard sur tous les autres. La galettomanie, c'est un vrai fléau. On est des milliers de personnes là à en souffrir. Personne ne fait rien. Mais bon, après, ça, c'est le système, hein. Moi, je veux pas. Si on commence à parler, là, c'est. Voilà. Mais c'est quoi, c'est de l'alcool ça? Ça? Bah c'est du cidre. Mais c'est pas pour accompagner la galette normalement? Ouais non mais attends, je me prive de ma galette quotidienne, je vais quand même pas me priver du cidre qui va avec, quoi. Sinon je vais devenir Mais fou. est-ce que votre vrai problème c'est pas l'alcoolisme en fait? Ouais mais ça j'ai le droit. Ça c'est reconnu par l'État.